Bonjour à tous et à toutes, je suis Alus et aujourd'hui nous allons casser des gueules, nous allons récupérer l'argent des ministres et des présidents avec Jean-Luc Mélenchon. Bienvenue dans Fiscal Combat, le jeu en commun, et c'est pas rien de le préciser. Mais qu'est-ce que Fiscal Combat? C'est le jeu vidéo de la campagne de Jean-Luc Mélenchon où le but est tout simplement de secouer les politiques afin qu'ils rendent l'argent. C'est aussi simple que ça. Alors je sais que beaucoup de gens en ont fait une vidéo, beaucoup de gens l'ont présenté, mais comme il y a un aspect, on l'a fait pour quelque chose, pour un projet, donc c'est un petit peu indépendant, c'est un petit peu un jeu spécial, tu vois. Et ben du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Alors je pourrais le mettre en full screen, ce que je n'ai pas fait. Là, il y a les crédits et ici nous avons les stats. Il a été lancé en vendredi, c'est-à-dire le 7 avril, et actuellement nous sommes à 24 milliards récoltés. Bon, en vrai, on est un peu plus, mais le temps que ça refresh. Nous sommes à 105 milliards, ce qui se passe. Il faut atteindre les 273 milliards pour l'avenir en commun. Donc allez-y, il faut boucher le trou de la sécu et c'est y part. Vous arrivez trop tard. Nous avons pris le contrôle des États et de bientôt tous les internets rentrer chez vous. C'est ce qu'on va voir, ballot. Game Station de Mélenchon. Alors, si ça rend un petit peu, le jeu est en flash sur Chrome et optimisé pour Chrome. Et je sais pas comment ça va rendre. Donc, le principe est simple. La tête de Mélenchon, barre de vie, barre de super, le niveau, l'argent récolté. Donc, aller dans la direction pour attraper quelqu'un et le secouer pour qu'il rende l'argent. Et ensuite, on le jette. C'est un petit peu un beat Zemo, tu vois. Alors, il est aussi possible de jeter les ennemis sur d'autres ennemis. Alors, ça rame du cul, c'est un peu normal. Hein. Alors, est-ce que je peux vous montrer une super? Est-ce que je peux vous montrer une super? Voilà. Et le super dans ce jeu est tellement, tellement belle. Alors attention. Dites donc, Jérôme, où allez-vous comme ça? Je vais prendre l'air en Suisse. Ne prenez pas cet air arrogant. Vous devriez vous réjouir des impôts en France. Laissez-moi tranquille, Mélenchon. Et je vous le dis droit dans les yeux, vous êtes un homme seul. Détrompez-vous. Vous avez des millions, mais nous sommes des millions. Et aussi Jérôme l'intouchable, évidemment, Jérôme Cahuzac. Et la musique change et s'améliore à chaque fois que l'on rencontrera de nouveaux personnages. Ce que je trouve très bien. Alors évidemment, il y a un combo. Alors, est-ce que j'ai assez d'ennemis pour montrer la super? Non, il n'y a pas encore assez d'ennemis pour la super. Et pef, combo 29. Et à chaque fois, Mélenchon se transforme en Super Saiyan. Comment pourrait-on dire? Ah, y'a plus d'ennemis? Y'a plus d'ennemis, c'est de merde. Allô, les ennemis? Allô? Allô? Il n'y a plus d'ennemis, qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Enfin, ils étaient tous à gauche. Ah, ils reviennent. Ouais, j'ai eu peur pendant 2 secondes, je me suis dit ça y est, le jeu est pété. Oh vite! Oh vite! Oh de la vie! Alors par contre, je ne comprends pas comment on arrive à se faire toucher dans le jeu. Parce que des fois, ça arrive dans un moment random. Ah bah si, Mélenchon! Suivez nos recommandations, votre programme est inapplicable. Nos experts sont catégoriques, il n'est pas chiffré. Mais madame, mon chiffrage est en ligne. Quant à vos experts, nous en trouverons d'autres qui coûteront bien moins cher. Et voici Christine pied dans le tapis. C'est Christine. Alors, au départ, j'avais pensé Christine Boutin, mais en fait, non. Parce que je suis trop con. Oh, ça arme du cul. Allez, ça arme du cul, ça y est, c'est la merde. Alors, des fois, je me fais vraiment toucher, mais pour rien. La vidéo sera cependant vraiment rapide parce qu'il faut y jouer.
peux pas vous donner un avis parce que c'est trop cool. Mais jouez-y, franchement. Oh, le combo multiplicateur, on tape sur Christine, on récupère. Jérôme prend sur Smith. Jérôme jette sur je ne sais pas qui. Voilà, ça combat tellement vite. Et à chaque fois, je récupère de la thune en haut. Donc pour l'instant, je suis à 19 000. La super. Y a-t-il quelqu'un? Oui. Et alors aussi, à chaque fois que vous rencontrez un ennemi, ce sera le moment de scorer un max, parce que ce sera le seul ennemi un peu spécial. Et plus 112, allez, meilleur score du monde pour moi. Par contre, décédé, ça va aller très vite aussi. De la vie, donne-moi de la vie, donne-moi de la vie. La vie c'est important. Voilà, je pouvais l'attraper sauf que ça n'a pas marché ici. Je suis quand même arrivé à un stade. En général, le stage 1, tout le monde y arrive. Et le stage 2, il y a la plupart des morts. Donc là, évidemment, il me semble qu'ils sont tous partis voir le programme en ligne. On se déplace de tableau. Tableau numéro 2. Ah bah tiens, dis donc. Franchement, Jean-Luc, vous en avez pas marre de tracasser les lianes. Si je vous fais dédicacer un petit album de Carla, vous vous adoucirez. Figurez-vous qu'en ce moment, je suis plutôt Mozart. Mes trêves de bavardage, la plaine teinte en peur. Voilà, j'ai pas besoin de... Ah oui, double ration. Alors là, bourré. Il faut bourrer. Espace, parce que j'ai senti que j'allais me rater. À sa bourre. Alors Smith, je pense que ça doit être juste au fait que, comme pour Dr. Wu, parce que j'ai que cette référence en tête, la plupart des gens se nomment Smith et que c'est un nom assez commun. De la vie. Non, de la vie. Oh, la double ration de vie. 141 000 euros. Je pense déjà que je suis bien. Mais le vrai challenge, c'est d'arriver au million. Et le million, c'est assez chaud. Parce qu'il faut bourrer vraiment. Je ne sais pas s'il y a une fin dans le jeu. C'est quelqu'un qui sait où situe la fin. Et ben, ça sera très gentil à lui. Alors nous avons une magnifique centrale nucléaire juste derrière. Je sais qu'il y a un trigger avec... avec la centrale nucléaire qui va faire apparaître un nouvel ennemi. Voilà, ça va vite. Où c'est allé vite? Ah voilà. Alors on voit la centrale nucléaire qui a un petit problème de type nucléaire. Et bien sûr un sprite de... C'est Macron il me semble. Cher Jean-Luc Mélenchon, on se remet en marche. Il dit alerte et vous ne faites rien. Tout est indifférent, vous êtes un irresponsable. Ce n'est pas ce que pensent mes gérés donateurs. À présent, je vais vous donner une leçon de flexibilité. C'est ce que nous allons voir. Emmanuel, le professeur. Alors là, bourré. Faut vraiment bourré. Et là, ça va déjà se complexifier un peu. Voilà, ça se complexifie. Je pense qu'il y a une strat pour toujours frapper, c'est vraiment d'attendre qu'il soit prêt. Donc là, ce qu'il faudrait déjà, c'est que je récupère un poil de vie. Ce serait bien. Pourrais-je avoir de la vie, s'il vous plaît? Messieurs, mesdames les députés. Oh, qu'est-ce que c'est? Je savais pas ce que c'était, mais ça avait l'air cool. Ah, ils sont radioactifs. Ah, mais c'est trop bien. Je sais pas ce que c'était comme bonus, mais c'était cool. Et voilà pour le candidat de la finance. Et maintenant à nous deux, François. À Sable et sur Sartre. Beep me up, Scotty. Et un Mélenchon saïenne qui se téléporte. Hein? Il faut te rendre à l'évidence, tu ne peux plus fuir. On rend l'argent. Fuir. Face à un hologramme. Et là, hop là. Non. C'est impossible. Blah, blah, blah.
rend l'argent. Et nous avons François l'irréprochable. Et là, faut bourrer pour maxer le score. Attention. Ah, je me suis fait avoir. La super. Donc là, je vais décider si je ne récolte pas de vie. Donnez-moi de la vie, messieurs, dames. Oui, je veux de la vie. Donnez-moi votre vie. Enfin, ça sert à rien de les lancer plus. Oh, il était joli celui-là. Voilà, il y a un double Sarko. Il y a plein de Sarko. Il y a un bonus. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je ralentis tout le monde. Mais je le sais trop tard. Du coup, je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a trop de choses à dire. Nous allons contribuer au trésor public, évidemment. C'est important. €300 000 dans la caisse en commun. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Vous aussi, remplissez cette caisse. Nous devons attendre les 273 milliards avant la campagne présidentielle afin de montrer qu'il faut rendre l'argent. Du coup, je vais m'arrêter là. Voilà. Le lien est dans la description. Le jeu est gratuit, optimisé pour Chrome. Si ça vous a plu, regardez d'autres vidéos, évidemment, pour en faire une autre idée. Commentez la vidéo, la like si ça vous plaît, la partager, me suivre sur Twitter, @Zarius1, vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine.